Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Things Right, où nous retrouvons au tribunal à nouveau contre Manfred von Karma. Ah oui, d'accord. Je me disais pourquoi il parle pas, mais en fait c'est qu'il veut que ce soit l'autre qui le dise à sa place, tu vois. Ah non, même pas. Il y a vraiment une voix de bulldog en face. Ouais. Toujours pareil, hein, c'est lui qui dirige. Tellement ridicule. Ah, déjà. Vieux. Marqué vieux. À la bonne nouille. Non, non, c'était pas une boutique de barque. Putain, le gars qui a rien compris. C'était à la bonne nouille. Non, je déconne. Faudrait quand même que je teste le coup du micro pour des objections. Moi je peux très bien attendre 3 minutes sans souci. Ouais, on va attendre. Il paraît qu'il y a un truc, si on attend 3 minutes sans bouger, le process termine vraiment. Non, c'est pas vrai. Pas louche du tout, quoi. D'ailleurs, pour petite anecdote, j'ai dit son nom dans la précédente vidéo, et je l'ai coupé au montage. Hein. C'est pour ça qu'à un moment où... Je sais pas si vous vous rappelez, un moment, je suis dans la boutique de barque. Je pars trop tôt, et du coup j'y retourne. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, oh, on va retourner chez... Et j'ai dit le nom du mec. Et je fais, oh, le con. Faut que je refasse la vidéo. Et après, je fais, mais non. Je vais couper le son au montage. Enfin bref. Ouais. Ah, c'est vrai que si on est près de Noël, je m'en rappelle plus. Ouais. Ou c'est peut-être un magasin de barque qui fait des pâtes. Non. C'est n'importe quoi. Mais il est sérieux. Franchement, juste faut l'enfermer. C'est complètement con ce choix. On est vers la dernière affaire du jeu. Comme ça on avait cliqué sur l'autre truc. Waouh. On t'est caché, hein. Il
Y'a un problème ce mec. On a regardé un peu l'épreuve parce que je me rappelle plus trop. Non, c'est même pas si le 24 ou le 25. À 23h50, le lac est vide. On s'en fout. Trois coups de feu. Le 25 après minuit. Alors, attendez, il a du poil. La nuit du 24 après minuit. Ouais, bon, d'ailleurs, c'est la nuit 24-25, donc ça doit être ça. Hein. C'est le 25 du coup, vu que c'est après minuit. Peut-être ça par contre. Wow. Un homme est passé devant ma fenêtre. On va voir ce qu'il dit. Hein? Ah oui, c'est vrai, il croyait que c'était son fils. Merde, ça veut dire que c'est sûr, parce que ça, on rentre dans ce livre et il confirme. Wow. C'est quand même un vieux fou. Je pense qu'il faut émettre une objection. De toute façon, ça prouve pas qu'il était pas sur la barque, ça prouve que il a pas la main. Il faudrait être un peu con pour essuyer les empreintes et reprendre le truc de l'autre main. Non, je continue. Hein. Thank you.
Merde. On a trop une invocation. Merde. J'ai perdu. Ah putain. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait là? Je comprenais pas ce que j'avais mal fait. Ouais, c'est trop tard. Coupable, coup de marteau là, normalement. En vrai, ça dans un tribunal, impossible que ça arrive. Le gars, il arrive tranquille, on l'appelle même pas. Enfin, sauvé par Paul, je pensais pas ça possible. Hein? Elle lit dans les pensées. Ah, il chuchotait peut-être. Fuck. Je sais pas si c'est possible ça. Je suis pas spécialiste mais... Il aime bien son marteau. Putain, ça se trouve, c'est sa barque. Bon, il y a deux hommes dessus, mais c'est peut-être lui plus le ballon. Thank you.
C'est tellement louche. C'est vrai qu'il est difficile à croire quand même. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a peur de gâcher? De toute façon, il était désigné coupable. Peut pas être pire. Hein. C'est trop de la merde, cette déclaration. C'est que ça sert à rien. Transpire. Elle a entendu deux lui un seul. Oh. C'est ta gueule. Les gars qui se décrédibilisent, tu vois, à chaque phrase, quoi.
De toute façon, Phoenix, c'est trop le mec qui improvise, qui fait genre qui gère, mais pas du tout en fait. Voilà, qu'est-ce qu'elle disait? De toute façon, le témoignage c'est tellement de la merde. Quoi que ça. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ah. Donc c'était avant minuit. Et ça, c'est après minuit. Et ça, c'est pris automatiquement le 24. À 23h50. Bon, avant minuit. Donc, premier coup avant minuit, deuxième coup après minuit. Et elle, c'est deux coups juste après minuit. Donc, il y a eu le premier coup avant minuit et les deux coups après minuit. Ça doit être que ça. Ouais, je pense que c'est ça. Vu qu'il y a trois coups normalement tirés. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bah non. Parce qu'il y a trois coups tirés, donc deux après minuit. Bah, ça colle avec le flingue qui a tiré trois coups. Par contre, à quoi servit le premier coup? C'est ça qui est bizarre.
3 coups de furie. Prends ça! Il a eu tiré un coup de flingue dans la gueule. Voilà, j'ai cliqué sur un truc au pif et c'était ça. Là c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire qu'il y a eu un coup de feu quand la barque était pas encore sur le lac. C'est quoi ce bordel? Si tu tues quelqu'un, en général tu tires un coup de feu, il s'enfuit, donc c'est bizarre. C'est à 23h50, il tire un coup et après il attend plus de 10 minutes pour tirer les deux autres. C'est louche, c'est louche. Ouais, c'est le bordel, hein. C'est incompréhensible. Ouais, de 25... Ah, ça... Ouais, c'est à minuit 15, l'autre. Bah, la première, c'était pas dans la barque, c'est clair. Non. C'est l'affaire d'avant, je me rappelle pas plus. Quoi? Ta gueule! Je l'interromps. Tiens, comment il me parle, lui?
C'est-à-dire que ce coup de feu n'est pas celui du tueur. Ouais. Mais pas une théorie durant, sinon c'est-à-dire qu'il l'a tué. Oui, selon la théorie de Phoenix, il est mort avant. Peut-être pas être le meurtrier durant non plus, puisqu'il est debout. Ouais. Peut-être que ça. C'est tellement tardif! C'est trop le bordel. C'est vrai que putain, on n'y a jamais pensé à ça dans toutes les autres affaires. On savait que notre client en instant, mais on savait pas qui pouvait être le... Bah ouais, mais il y a personne dans cette affaire. Okay. Tous les gens, c'est des gens du passé, au courant d'avoir. Il y avait Paul, il y avait Eva. Et il y avait Hunter. Le vieux, à la limite, il est pas très loin. Et là, il est pas dans les choix. C'est clair et net, hein. Chez lui. Après, c'est pas parce que c'était chez le vieux que c'était pas quelqu'un d'autre chez lui. Hein. J'aime bien le petit résumé. Il l'a tué. Malgardien.
Ouais, il l'a pas raté deux fois. Volontairement, c'est sûr. Et Hunter, il a pas compris ça. Ah, et Hunter, il croyait qu'il s'était tiré dessus lui-même. En même temps, tu comprends pas, t'as rendez-vous avec quelqu'un, tranquille. Et là, le gars, il arrive, il tire des coups de feu, il se jette dans l'eau, c'est là, ok, normal. Pas mal. Ils n'ont pas l'air convaincus. Il l'aurait tué l'autre. Okay, pour ça. Ça, c'est un aveu. Voilà, donc ça va être la fin de ce chapitre. Je vous préviens, il va y avoir bon, une phase d'investigation, comme d'hab. Et après, le dernier procès va être super long. Hein. Mais super long, mais intense, c'est trop bien. Plein de révélations sur le passé et tout, vous verrez. Mais du coup, je le couperai en deux, le prochain procès. C'est clair. C'est toujours la gueule. Je m'en rappelle. Mais si, dis-nous.
Mais de quoi parle-t-il ? Vous le saurez dans la prochaine vidéo de Phoenix Wright. Tintintintintin.